Bonsoir les amis, ce soir une enquête chez des particuliers, la team au complet. Bonsoir, je suis Philippe. Salut les amis, moi c'est Clara. Bonsoir, je suis Mike. Et Mike, donc première enquête officielle depuis son intégration. Et derrière la caméra, le chef de groupe, Vince. Bonsoir, la team de Paranormal 10 est ce soir en région Grand Est, à deux pas des vignobles champenois, à l'intérieur d'une vieille maison comprenant cave, rez-de-chaussée, étage et grenier que vous visiterez avec nous. En compagnie de la copropriétaire des lieux, sur sa demande et gracieusement de notre part. Ceci dans le but de comprendre ce qu'il se passe ici, et éventuellement d'y remédier par la suite. Il est prévu que nous dormions ici. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Tu avais 2 ans en 1988 lorsque tes parents ont fait l'acquisition de cette propriété. Tout à fait. C'est bien cela. Ton enfance dans cette maison, s'est bien passée? Pas de problème. Pas de problème. Tu deviendras femme, puis maman. Pour ton jeune âge, il se passera beaucoup de choses dans ta vie. Nous ne sommes pas ici pour l'étaler. Nous allons passer maintenant à ce pourquoi nous sommes ici. Et croyez-moi, il s'en passe des choses ici. Donc, si j'ai bonne mémoire, on t'a, je reformule, offert un vieux meuble. Et ce serait au conditionnel le facteur déclencheur de différents événements. Oui. C'est bien cela. Voilà. Est-ce que tu peux me parler notamment du premier événement marquant justement après cela? Un départ de feu qui a eu lieu sur un de mes meubles. Une bougie que j'avais soufflée moi-même. Et mon ex-mari a surveillé derrière. La bougie était bien éteinte avant qu'on monte se coucher. Donc on se couche et dans la nuit, mon mari a senti une odeur de fumée. Quand il a ouvert la porte de la chambre, la maison était remplie de fumée. Ce meuble, il était ici en bas, dans cette pièce même, ici même? C'est pas dans cette maison. Donc déjà, dans un certain passé, on va dire, avant que tu reviennes dans ces lieux, tu avais déjà vécu certains phénomènes. Voilà. C'est bien cela, on s'est bien compris. Tout à fait. Merci. Tu peux me parler de la vision d'une silhouette? Tout à fait. Donc, dans le logement que j'habitais avant, juste à l'entrevert de la porte, l'ouverture de la porte, une silhouette blanche, on va dire de taille enfantine. Pour moi, c'est un ressenti que j'ai eu, pour moi c'était une fillette. Après, je ne peux pas expliquer. Et ici, je l'ai reproduit encore une fois. Je sortais de ma chambre. Ma chambre donne sur l'ouverture de la porte de la salle de bain. La porte de la salle de bain était entrouverte. Et à nouveau, j'ai revu la même silhouette. De la même taille, de la même... Okay. Et qui m'a donné le même ressenti. Pour moi, c'était une fillette. D'accord. Ta petite fille, alors âgée de 3 ans... à des comportements inquiétants. Tu veux bien développer? En effet, on avait un ami très croyant qui avait toujours dans sa poche un chapelet. Et depuis la naissance de ma fille n'a jamais pu l'approcher. Elle ne pouvait pas approcher ce personnage-là, non. Ne serait-ce que lui faire un bisou pour lui dire bonjour, non. Et un jour, il a fait l'expérience, il dit « Attends, on va faire un truc ». Il a posé son chapelet sur la table. Et là, il a appelé la petite. Et la petite est venue vers lui. Tout à fait. Donc okay. De là, on a fait le nécessaire. Elle a été, on va dire, entre guillemets, baptisée. Ouais. Et on a remis du sel, du gros sel à différents endroits dans la maison, dans les pièces. Vous avez élaboré ce qu'on appelle un protocole de purification, voilà, de nettoyage. Et depuis, plus rien. Un phénomène aussi. Nombreux sont les personnes qui sont passées dans cette maison, comme tout le monde. Bon, de plus, vous êtes jeune, tu es
recevez des amis, mmh. vous recevez de la famille. Mmh. Donc on fera le tour ensuite. J'ai bonne mémoire, il y a des toilettes en bas, oui. au pied de l'escalier. Tout à fait. Et il y a des toilettes à l'étage. Mmh. Bon, pour aller à l'étage, il faut utiliser l'escalier. Ouais. Pour aller aux toilettes du bas, on est au pied de l'escalier. Au pied de l'escalier. Tu veux me parler de cet escalier ? Oh, cet escalier, à plusieurs reprises, plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Amis, famille, sans qu'ils soient vraiment... à croire au paranormal ou quoi que ce soit, on ressentit des choses en bas des escaliers. D'accord. Et à plusieurs reprises, il y a eu aussi quelqu'un qui a aperçu mon nouveau compagnon, a vu une silhouette en bas des escaliers. Lui, il était en haut et... Waouh. Et moi-même, récemment, j'étais en bas des escaliers et j'ai vu une ombre noire passer en haut des escaliers. Ok. Bien. Donc, est-ce la même ? Et ? Allez pas dans les escaliers, ça c'est un souvenir, je crois qu'il restera gravé. J'étais couchée sur le canapé, je regardais la télé tranquille. Là, ici même où tu es là ? Ici même où ouais. je suis. Ouais. Ma mère était fatiguée, elle est montée se coucher dans sa chambre là-haut. Puis d'un seul coup, j'entends descendre dans les escaliers. J'entendais. Puis au bout d'un moment, je dis, c'est bizarre, elle rentre pas dans la salle à manger. Donc du coup, je suis allée voir. Je suis montée, j'ai constaté que ma mère était toujours dans son lit. Et là, maman, t'es descendue là ou quoi Ben, c'est strictement impossible. Du elle fait pas que descendue. Le temps était vraiment trop court pour qu'elle puisse faire l'aller-retour dans les escaliers, quoi. On va parler maintenant des déplacements d'objets. Oui. À plusieurs reprises. Il y a trois grandes lignes, c'est bien ça, tu te souviens ? Tout à fait, donc le cendrier. Oui, là, sur cette table-là. C'était la même table, au même endroit, pas dans la même maison, mais sur cette table. Le cendrier était, on va dire, passé à droite. Je suis passée 5 minutes après, il était à gauche. Et pareil, pardonne-moi encore une fois, pareil, tu en es certaine ? Ah, j'en suis certaine. Mon habitude était de le mettre à droite, à ma place. Il était à droite, toujours. Premier point, il y en a encore deux. Après, il y a eu le cadre photo de mes grands-parents. Qui est là-bas derrière toi. Voilà. Je l'ai pris en photo. Mmh. On reviendra dessus. On va flouter l'image puisque mmh. bon, c'est familial. Voilà. Bah, en fait, le cadre a tombé face contre le... De plus, il y a une précision. Il y a une précision hyper importante. Il y a une précision qui doit se faire, qui doit être faite. Le cadre photo, on le montrera tout à l'heure. On le montrera, on filmera. J'ai pris des photos aussi. Ce qu'il faut préciser, c'est que tu as un cadre qui est posé donc, sur un meuble, posé sur pied. Et il est sensiblement incliné vers l'arrière. En plus, oui. Or, il est tombé... En avant. En avant. Voilà. Et ça, tu l'as vécu en direct. Ah ça, je l'ai vu de mes propres yeux. On a parlé du cendrier, on a parlé de la photo de Pépère et Mémère. Mm-hmm. C'est comme ça que tu les appelais, je crois, si je peux te dire. Ouais, hein. C'est ça. Et il y a un troisième point. Il s'agit d'un cadre aussi, qui n'est plus dans la maison. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc, un cadre que ma mère avait installé dans sa chambre, avec mes deux garçons. Oui. Et le cadre s'est retrouvé de travers. Des accès. Ouais. Plusieurs fois ? Une seule fois ? On l'a retrouvé une fois. Une fois. Donc mon compagnon l'a remis droit, mais ma mère, quand elle l'a prise, il me semble qu'il était à nouveau de travers. Ok. Il faudrait que je redemande confirmation, mais il me semble que... Et encore ce soir, en venant à la maison, il y a un cadre qui est dans la cuisine. Après, je ne sais pas si j'ai pas vérifié dans la soirée s'il avait rebougé. Mais oui, il était de travers. Donc, c'est mon compagnon qui l'a remis droit. Donc, si vous le voyez sur caméra qu'il est à nouveau de travers, c'est que... Tu peux me parler des phénomènes de voix ? Oui, moi, j'ai eu récemment, avec mon compagnon, une expérience, même lui... eu le droit à son expérience en même temps, c'est qu'en fait,
Pour lui, il a entendu un bruit. Moi, j'ai entendu « Regarde autour de toi ». Clairement. Répète. « Regarde autour de toi ». Et lui, simultanément. Et lui, au même moment où j'ai entendu la voix, lui, il a entendu un toc. Donc, il a donc lui n'entend pas la voix que tu entends. Non. Et toi, n'entends pas le bruit que lui, il entend. Voilà. Petit moment plutôt pénible. Ça t'affecte. Ça t'affecte énormément. Et il y a quoi? Je ne vais pas te demander de trop en dire, je ne veux pas te demander de développer, c'est pas utile. On en parlera un petit peu dans le courant de la nuit. Mmh. À cet endroit précis, bah quasiment là où je suis assis. Mon grand-père, Robert, qui est décédé ici. Ok. Mmh. Donc à cet endroit précis, ton grand-père maternel s'est effondré. Oui. Deuxième décès dans cette maison. Dans la cuisine. Dans la cuisine, mon là-bas papa. Au fond, derrière toi, on ira tout à l'heure. Mm. Qui? Mon papa. Ton papa? Ok. Merci. De rien. Merci. Vous bien. Vous coupez deux minutes, ça bouge là-haut, à voir après, mais ça fait deux fois que ça bouge là-haut. Ok. On ok. Voir ça. Merci Clara. Bien. Eh bien écoutez, allons-y. Surtout, restez avec nous. Nous allons dormir ici. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez, il est 1h. On va débuter l'enquête. C'est parti, on va vous montrer la maison. Donc ici, on est dans le salon, salle à manger. Monter directement au premier étage. Ici, vous avez la chambre où nous allons passer la nuit, où on va dormir. Deuxième chambre. Donc du coup, mise en route du premier plan fixe au premier étage. Je bouge plus de l'eau. C'est tout beau. Et donc, dans le champ de vision de la caméra, on a la ghost lift et une balle avec un éclairage rasant au sol. Et également, on a mis un éclairage sur la descente d'escalier. Ici, on a une salle de bain. Ma toilette que je ne vais pas vous montrer. Une autre pièce. Désolé, ça c'est moi. Et ensuite, nous allons monter au grenier. Comme vous pouvez le constater, assez grand, qui couvre une grande partie de la maison. Vous voyez, assez profond. Et donc, je vais laisser Clara vous présenter le matériel. Donc on a mis un laser, filme pas, il y a une petite bébête qui se balade. Donc un laser, on a placé une petite tête de poupée, donc où quelqu'un aurait éventuellement envie de jouer, une petite balle, et également une poussette, donc tout ça qui était déjà sur place.
On va aller voir du coup dans la pièce derrière. T'avais dit que tu vas placer la grille laser aussi, deuxième. Le laser vert, il marche plus. Oui, derrière, il marche plus, effectivement. On a aussi ici un détecteur de mouvement lumineux. Qui devrait s'allumer normalement. Voilà, je vous montre. Si je passe, voilà, vous voyez. Donc tout ça dans le champ de la caméra qui est là-bas, comme on vous a montré au début. Voilà. Donc maintenant, on va redescendre et on va aller à la cave. Petite balle, ouais, bah, hop. Extérieur. Les amis, je vous reprends tout de suite. On va se couvrir pour aller dehors. A tout de suite. Allez, c'est parti. On va à la cave. Désolé pour la descente, mais c'était un peu difficile. Pour la présentation de la maison, on a fini. Maintenant, on va remonter et on va commencer l'enquête. A tout de suite. Donc voilà, nous sommes à cet instant dans la cuisine, en night shot, l'endroit précisément sur lequel est bimé Vincent, avec l'autorisation de prénom qui sera bipé bien évidemment. L'endroit sur lequel est bimé précisément Vincent est l'endroit où son papa a poussé son dernier soupir.
On est ici, on vous le rappelle, à toutes et tous, spectateurs, téléspectateurs, entités éventuellement présentes. On est ici, bien évidemment, avec le respect qui nous est habituel, et puis, a fortiori, peut-être même encore plus aujourd'hui, puisque une personne directement affectée de nos côtés. On opérera tout à l'heure à une interpellation. On tentera pour une prise de contact avec son défunt papa. On tentera également une autre interpellation aussi avec son défunt grand-père. Bonsoir. Nous sommes ici ce soir avec vous pour la nuit. Nous sommes venus en amis avec l'accord de la propriétaire ici présente et à sa demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir, s'il vous plaît ? N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, d'autant plus si vous connaissez la propriétaire des lieux, vous étiez proche d'elle. Elle est avec nous ce soir, n'hésitez pas si vous avez un message à faire passer. Nous avons beaucoup de matériel à disposition dans toute la maison. N'hésitez pas à vous en servir, à jouer avec pour nous montrer votre présence. Nous allons de plus dormir sur place. Encore une fois, n'hésitez pas, nous sommes là en amis. C'est énorme. T'as combien de 32 chaud. Vincent. Là, j'avais 17. T'as abîmé le radiateur ou pas? T'as pas poussé le chauffage. Ouais, il a pas bougé. Là, ça redescend bien 22. Je l'ai vu, hein. J'ai vu l'affichage à 32. Je vais allumer la télé. Ça va vous faire apparaître une image à l'écran. C'est l'image de la télé. Là, vous voyez une pulsion. On allume la télé. Avant d'affirmer, tu réteins et tu rallumes. Oui, c'est bien. Ouais. Pour moi, c'est la télé. Voilà. Pour le rallume. Pod, oui, mais pour le pod. Si, si, pour le pod aussi. On rallume et on verra. Les toquilles tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc, tout à l'heure, on y a un petit peu le K2. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez éventuellement apparaître à l'image ou nous faire apparaître un message. On peut peut-être préciser que sur la droite de Vincent, à cet endroit précis, le grand-père maternel s'est éteint. Nous allons maintenant tenter d'interpeller Robert.
Robert, s'il vous plaît, nous nous adressons à vous avec un très grand respect. Êtes-vous parmi nous? Nous ne sommes pas là pour vous faire de mal, en aucun cas. Notre désir est, pour votre petite fille, et pour nous-mêmes aussi, savoir si vous êtes parmi nous. Manifestez-vous, s'il vous plaît, gentiment, de la manière dont vous voudrez. Vous pouvez, boum à l'étage, relever. Là, c'est moi qui bouge, mais il y a eu un boum, je l'ai entendu aussi. Je me suis retourné. C'est la même chose que j'ai entendu. Ok. Tu l'as entendu, toi, au casque ou pas, Tchou? Non. Non, à l'oreille. Hein. C'est léger. Mm. Ouais, on a relevé. Donc, Robert, s'il vous plaît. Si. Boum, re. Robert, s'il vous plaît. Six. Boum, re. Et encore. Manifestation à l'étage. Si c'est vous qui venez de vous manifester, nous vous remercions. J'ai une voix. Souhaitez-vous qu'on monte à l'étage? Robert, s'il vous plaît, manifestez votre présence maintenant. J'ai eu un léger cadeau. Tu l'as dans la boîte, Chou? J'ai pas fait attention. Je pense que oui, parce que je l'ai mis. Boum. N'ayez pas peur non plus de notre matériel. Ce matériel n'a aucun risque, il n'y a aucun risque pour vous, sincèrement, tout chaud. Vous pouvez, si vous le désirez, effectivement encore vous manifester, surtout en donnant un coup sur un mur, une porte, le sol, ou alors en allumant les petites lumières de l'appareil que Clara tient dans la main. Manifestez-vous maintenant, s'il vous plaît. Si vous voulez, s'il vous plaît, nous prouver votre présence. Nous aimerions savoir si réellement vous êtes là parmi nous. Nous vous proposons une nouvelle fois de frapper une fois au sol ou contre un mur maintenant, s'il vous plaît. Peut-être désirez-vous entrer en contact avec Clara. Cela ne va pas m'offusquer personnellement. L'important, c'est que nous puissions avoir un contact avec vous. Et que vous puissiez, pourquoi pas, nous passer, nous communiquer un message. Vous pouvez éventuellement vous adresser à Clara ou répondre à sa demande et ses questions. C'est avec Clara que vous voulez vous... C'est quoi? C'est au-dessus. Pardon? C'est pas toi qui as bougé? Non. C'était quoi, là? Ben... Tu as entendu aussi? Un plancher qui a craqué. Oui. Ben c'est pas moi. Il y en a un qui a bougé. C'est moi, c'est oui, ça. Vous voulez communiquer avec Clara? Oh, c'est très très léger. N'hésitez pas, s'il vous plaît.
éventuellement un message à nous faire passer. Déclenchement. Oui, je suis léger. Très léger. Est-ce que vous voulez faire passer un message à... N'hésitez pas au travers de nos différents appareils. Pour éventuellement vous voir ou vous entendre. Encore une fois, tout au long de la nuit. Si vous êtes parmi nous, Robert, je vais prendre une photo dans l'angle là-bas, vers le radiateur. Si vous voulez, s'il vous plaît, vous voulez bien que je prenne une photo ? Je propose qu'on change de pièce. Ok. On monte ou on repasse à la cuisine ? On va monter. On monte ? Ouais. Ok. On va couper la télé, on ne la laisse pas allumer en notre absence. Hein. Mmh. C'est du bon vieux, du catholique. Silence. Vincent, t'as dû entendre. Ouais, ouais. Silence. Je pense que c'est dans la caméra. On va monter. À nouveau, bonsoir. Est-ce que vous êtes présent avec nous à cet étage de la maison, s'il vous plaît ? Encore une fois, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous ce soir, ainsi que pour...
y a Vincent, Mike, Philippe et moi-même Clara. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire avec qui vous voulez rentrer en communication? Je viens de vous donner nos prénoms. Je vais les répéter à nouveau. Il y a Vincent, Mike, Philippe et moi-même Clara. Pouvez-vous répéter l'un de nos prénoms ou nous dire avec qui vous souhaitez communiquer, s'il vous plaît ? Encore une fois, n'hésitez pas, nous pouvons vous entendre grâce à cet appareil. Vous pouvez également manifester votre présence avec l'appareil que j'ai dans les mains. J'ai un bruit dans le fond de la pièce. Hein. Un chuchotement. Un bruit. Est-ce que c'est vous qui venez de faire du bruit? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Oui. Si c'est vous qui venez de vous manifester, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? N'hésitez pas, encore une fois, nous ne vous voulons aucun mal.
En plus des deux appareils que nous avons ici, vous avez également une balle dans le couloir que vous pouvez faire bouger. Un petit papier sur une feuille que vous pouvez déplacer. Ouais. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre derrière moi ? C'est vous que nous arrivons à entendre. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît, plus fort ? C'est un papier peint plastifié, Christelle, dans cette pièce ? Non. C'est pas un papier peint plastifié ? Non. Ok, donc ce sera analysé. C'est pas une affirmation de ma part. Si Vincent veut bien faire un petit plan sur ce niveau-là. T'as l'argent là ? Pour le. Non, non. Pour, voilà, pour le montage. Pour le montage. Donc repérage. Donc visualisation en caméra et photographie à analyser correspondante. T'as l'interrupteur qui... Non, je vais te montrer la photo. Ok. On monte. On fait une petite spirite ici. Clara, quand tu veux. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce ce soir, s'il vous plaît ? Ça n'est pas une certitude de ma part, mais je préfère le dire plutôt que de passer à côté de quelque chose. Je répète, ça n'est pas une certitude. Il me semble que derrière la question de Clara, on aurait un faible oui. Tu as entendu aussi. Maintenant, ce petit accrochage, il y a un petit quelque chose. Et j'ai envie de l'interpréter comme un oui, à analyser. Relever. Clara, tu veux encore tenter ? Oui. Là, je pense que ça vaut le coup de retenter une petite. Vas-y. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison ?
quelques petites choses, j'en suis quasi persuadé, c'est Tilly pour l'instant. Ouais. C'est Tilly. Ça me laisse peut-être pas trop. On tente le grenier ? Si tu veux. Qu'est-ce qui se passe? C'est la toile. C'est la toile qu'il y a sur la droite. Sur la photo. Mais je te raconte. C'est moi, pardon. J'ai oublié de signaler. Je suis désolé. Putain, j'ai sursauté, moi. Oui, c'est moi, désolé. Mais j'aurais dû le signaler. C'était tellement évident pour nous là-bas. Voilà, c'est normal. Là, on n'a pas à s'inquiéter. Attention, le laser par terre. Ok, bah moi je vais. Une bébête. Je sais pas si c'est un oiseau ou une souris, ça fait un couinement. J'ai pas entendu. À l'extérieur, je crois. Faites attention à l'appel. Hein. Qu'il n'y en a pas qui aille glisser. Tu les vois, ah, je peux pas trop me bimer là-bas. 63. 53. 53. Ma mère est née en 53. D'accord. Voulez-vous vous manifester, s'il vous plaît, si vous êtes parmi nous, maintenant? Nous vous rappelons que nous sommes là respectueusement, avec tout simplement l'intention d'avoir un contact avec vous, s'il vous plaît. Vous allez me dire, s'il vous plaît, avec qui vous aimeriez vous entretenir. Soit avec Vincent, avec Clara, avec Mike, éventuellement avec aussi, qui est parmi nous, ou moi-même, Philippe. Dites-moi, s'il vous plaît, dites-nous, s'il vous plaît, maintenant, avec qui vous aimeriez dialoguer. Thank you.
Peut-être que vous n'avez pas envie de vous manifester de par le biais de cet appareil, ce que nous pouvons très bien comprendre. Mais voulez-vous, s'il vous plaît, éventuellement le faire de par le biais de l'appareil que Clara tient dans la main droite? Aucun danger pour vous, nous vous le promettons. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous approcher de nous, vous approcher de cet appareil qui se déclenchera? Cela peut éventuellement nous permettre d'élaborer un contact avec vous. Nous le savons. Pendant que tu parlais, poussière ou analysée. Orbe derrière nous. Deux passages derrière toi. En bas de ton rondeau. Moi? Ouais. Okay. Bah derrière toi et c'est parti. Pour changer de d'habitude. Bah après, j'affirme pas. Peut-être un orbe poussiéreux, mais... Mais c'était rapide. Peut-être une énergie. Eh bien écoutez, il a semblé à Vincent, nous n'affirmons que très très rarement. On affirme quand nous avons une certitude absolue. Il a semblé, je vais dire, à Vincent, de voir un passage. Donc si je t'ai bien compris, Vincent, ça se situerait dans cette deuxième partie, là. Non, non, non. Non. Ça part du buffet, au-dessus du buffet, d'accord. Et ça part derrière vous. Ok. Donc, insecte ou phénomène. Ou phénomène énergétique, comme on a déjà eu. Ouais. Eh bien, écoutez, si cela est le cas, si vous êtes parmi nous, j'ai presque envie d'imaginer que vous êtes venu pour nous tester, nous observer. De ce fait, vous devez maintenant savoir que nous sommes... Pod en bas. Un oiseau qui chante. Moi, j'ai entendu siffler dehors. Oui. Non, mais moi, j'ai entendu... Il y a un plan fixe en bas. Non. Je l'ai au casque, donc... Est-ce que c'est vous, s'il vous plaît, qui avez déclenché du matériel au rez-de-chaussée pour une réponse affirmative pour à 8 de votre part, déclencher une fois les lumières, s'il vous plaît, pour une réponse positive. Maintenant, allez-y. Boum. Ok. Peut-on prendre cette percussion pour un oui? Refaites un bruit pour confirmer, s'il vous plaît. Ça revient de bouger. Oui, j'entends. Derrière toi, Clara. Et quoi? Un passage. Insecte. Ah, j'ai qu'à deux. C'est vous qui venez de déclencher l'appareil? Voulez-vous recommencer? Franchement, allez-y. N'ayez pas peur de nous. Nous n'avons pas peur de vous. Nous sommes en confiance parce que nous sommes gentils et que nous avons la certitude que vous l'êtes aussi. Je pense, j'ai envie de l'affirmer, j'ai envie de l'assumer. Dites-moi s'il vous plaît maintenant avec qui vous aimeriez dialoguer. Dans le dos. À quel niveau?
peu près entre les deux omoplates. Avec c'était un vêtement qui était éminent, j'ai beau bouger, je l'ai toujours. C'est permanent. Oui. J'ai rien. Est-ce que c'est vous qui touchez Clara? Est-ce que c'est vous qui provoquez cette sensation? Je vous demande humblement et respectueusement, s'il vous plaît, si vous vous manifestez, de le faire correctement, de ne pas lui faire de mal, s'il vous plaît. Répondez-moi, s'il vous plaît, est-ce vous qui venez de vous manifester? Oui, K2, merci. Belle coïncidence, très belle, très très belle coïncidence. Très bien. Je vais vous poser une question directe. Pour un oui, je vais vous proposer, s'il vous plaît, de redéclencher ce K2. Oui. Et pour un non, ne pas le déclencher. Est-ce vous qui venez de déclencher cet appareil? Allez-y. Monter. Je savais que ça tournait. La douleur est disparue, Clara. C'est pas une douleur. C'est un petit point. Ouais. C'est parti ou c'est encore présent? C'est plus léger que tout à l'heure. C'est plus léger. Ouais. Écoutez, quoi qu'il en soit, cette petite manifestation a été bien sympathique et nous l'apprécions énormément. Nous allons encore rester pas mal de temps avec vous. Nous allons même dormir dans ces lieux, si vous nous le permettez, bien évidemment. Nous ne sommes pas chez nous, nous en sommes bien conscients. Nous ne sommes pas ici pour vous faire de mal. S'il vous plaît, retenez-le. Si vous vous êtes manifesté, nous souhaitons vivement encore avoir d'autres manifestations. Il y a un bruit sur ma droite, non? Je parlais. Ouais. Moi, j'ai un ressenti permanent. Oui, bon, c'est pas c'est pas très puissant. Ne faites pas mal à Clara, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien, écoutez, nous allons continuer à déambuler ici. Dans cette grande maison, nous allons vous laisser tranquille un peu. Quand vous viendra l'envie de vous manifester de nouveau, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour vous importuner, non plus. Nous ne voulons pas non plus vous déranger. Merci de vous être manifesté, sincèrement. Merci au nom de toute l'équipe. C'est moi. Hein? C'est moi qui viens de cogner.
Voilà les amis, une idée comme ça, un petit truc en plus. On va mettre de la musique que le papa écoutait, qu'il aimait bien écouter. Donc on va laisser tourner un peu et éventuellement on verra. Cette musique, dites-moi s'il vous plaît. Vous aimez cette musique, dites-moi. Je vais vous proposer une petite codification entre nous pour un oui. Allumez simplement, s'il vous plaît, la lumière de l'appareil sur la table pour un oui. Pour un non, ne faites rien. Aimez-vous, s'il vous plaît, cette musique? Voulez-vous que je remette la musique en route? Dites-moi. C'est vous que je viens d'entendre? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre, s'il vous plaît? S'il te plaît, pardonne-moi. Néné, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Je me permets de vous appeler comme ça, mais c'est respectueux. Je sais qu'on vous appelait comme ça. Est-ce que vous êtes avec nous, Néné? Je pense. Merci. Merci. Merci, je vois que vous êtes là.
Vous savez que votre fille est là? Vous le savez, Néné? Savez-vous qu'elle est là? Je sais que vous êtes là. Je le sais, je le sens, je le ressens. Vous étiez aussi... Clic. Vous étiez... hier, je dis hier, mais je pense savoir que dans cet au-delà, dans cet autre monde, vous n'avez plus la notion du temps. Je dirais alors que récemment, très récemment, vous étiez avec nous. Vous étiez derrière votre fille récemment, chez moi, autour de nous. C'était vous, Néné, dites-moi. S'il vous plaît, maintenant. Nous allons vous laisser un peu tranquille. N'hésitez pas à vous manifester si vous voulez que nous revenions vers vous. Je vais vous remettre de la musique. Vous voulez que je vous remette Edith Piaf? Néné. Je vous remets un peu de musique, Néné. Petite coupure les amis, on revient tout de suite. Bien. René, j'ai personnellement, je pense que c'est même quasi l'avis général, j'ai la quasi-certitude que vous êtes parmi nous. J'ai dit René, puis-je me permettre encore de vous appeler Néné ? C'est respectueux, bien évidemment. Je pense que vous le savez. C'est très respectueux. Votre fille me disait hier et encore aujourd'hui que nous avons, vous et moi, quelques points en commun dans nos attitudes, dans notre façon de nous exprimer. Je pense que on se serait bien entendu, vous et moi. C'est votre avis aussi, Néné ? Vous êtes toujours là? J'ai des craquements, c'est mon fil. Vous voulez peut-être que je laisse encore un peu la musique, un petit fond, pendant que nous parlons ensemble? Vous voulez que je vous remette un peu de musique? Dites-moi, s'il vous plaît. Nous savons que c'est difficile pour vous, nous le savons.
Je vais vous faire une... J'ai des gros taffes. J'ai eu 3 fois. Ok. Je vais vous faire une proposition, Néné. C'est la première fois que je vais le faire. Je vous donne ma confiance. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas me faire de mal. Je ne vous en veux pas sincèrement non plus, et vous le savez très bien. Notre désir est d'entretenir encore un peu de... Merci. Merci. Notre désir est de continuer gentiment, pendant encore un peu de temps, à entretenir ce contact avec vous. Si vous avez besoin d'énergie, Néné, je vais vous proposer une chose que je n'ai encore jamais faite. Faites-le s'il vous plaît gentiment. Je vous tends ma main et je vous propose de prendre un peu d'énergie en moi, sans me faire de mal, s'il vous plaît. Venez chercher un peu d'énergie pour pouvoir continuer à vous entretenir avec nous. Je vous y autorise, faites-le. N'hésitez pas. Venez chercher un peu d'énergie, j'en ai beaucoup. Je vais vous poser une question. Je vais vous la poser respectueusement, mais très directement. Néné, il y a quelqu'un ici autour de cette table qui depuis quelques années culpabilise. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Elle culpabilise. Et vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle, Néné ? Lorsque vous êtes parti, lorsque vous avez quitté ce monde, votre fille, à un moment, n'a pas pu, pour des raisons que nous comprenons. Elle aimerait aujourd'hui savoir si vous lui en voulez. Si vous lui en voulez, si votre réponse est oui, déclenchez s'il vous plaît ce matériel que vous avez déclenché déjà à plusieurs reprises. Lui en voulez-vous, s'il vous plaît, de n'être pas venu vers vous ce jour-là. Je viens d'avoir un déclenchement. Est-ce que nous devons prendre ça pour un oui. Vous voulez ? Oui. Vous l'avez entendu ? Vous l'avez entendu ? Est-ce qu'aujourd'hui, Néné, vous êtes prêt, s'il vous plaît, à lui pardonner ? Ça n'est pas... De ma part, simplement une question. Ceci a un double sens. Je vous pose la question si vous êtes prêt à lui pardonner, mais j'ai envie aussi très respectueusement de vous le demander, Néné. Voulez-vous, s'il vous plaît, lui pardonner ? Nous pensons qu'éventuellement vous n'appréciez pas ce qu'il se passe ou ce qui va se passer. Vous savez de quoi je parle, Néné ?
Savez-vous, s'il vous plaît, de quoi je parle ? Non ? Sachez que Clara peut éventuellement vous entendre, j'ai oublié de le préciser. Nous parvenons à communiquer assez correctement de par le biais de ce matériel. Mais si éventuellement, verbalement, vous voulez vous manifester. Clara peut vous entendre. Nous pouvons aussi, nous savons que cela s'est déjà produit, je vous ai proposé de venir vous ressourcer en énergie, mais vous pouvez éventuellement le faire de par le biais du téléviseur qui est allumé sur cette table. Vous pouvez éventuellement, si vous le voulez, ceci n'est pas un forçage bien évidemment, c'est une proposition. Si vous le voulez, vous pouvez vous ressourcer en énergie sur cet appareil, voire même nous apparaître dans cet appareil. Voulez-vous me dire si vous êtes toujours là, s'il vous plaît ? Je n'ai plus de manifestation là, Néné. J'en ai à l'intérieur de moi-même. Je sens, je ressens votre présence. Je sais que vous êtes là. Voyez. Merci, Néné. Merci infiniment. Merci. Je vais reformuler ma dernière question. Vous êtes derrière moi, vous venez de passer derrière nous, derrière moi. Je vais tenter de rallumer cet appareil. Sachez que il ne peut vous faire aucun mal. Nous n'avons rien, strictement rien sur nous, avec nous qui puisse vous faire du mal. Vous avez vécu une époque où déjà les technologies étaient très évoluées. Nous n'avons ici que du matériel de détection. Et du matériel d'enregistrement. Excuse-moi, je te coupe, détection du visage de la caméra au-dessus de nous. Ok. Pardon. Pas de variation de température. Ok. Il est là, de toute façon, c'est dans le coin ? Ouais. Je vais allumer cet appareil, ne soyez pas surpris, il est bruyant, mais il n'est pas dangereux, je vous le promets. Néné, s'il vous plaît, toujours très respectueusement,
Je vais vous demander de fournir, s'il vous plaît, un gros effort. S'il vous plaît. Je vais vous demander de vous exprimer à travers cet appareil. Simplement. Oui, merci. Vous voulez bien vous exprimer? Merci. Je vous ai compris. Je vais vous demander de fournir un gros effort, de vous exprimer, s'il vous plaît, à travers cet appareil. De me répondre, de nous répondre, simplement, par oui ou par non. Cela ne vous demandera pas d'extérioriser une très très forte énergie. Je vous demande, s'il vous plaît, juste un oui ou un non. Ma question sera très directe. Voulez-vous, acceptez-vous, oui ou non, que cette maison soit vendue? S'allumer. Pouvons-nous considérer ceci comme un oui? Confirmez-moi, s'il vous plaît, Néné. Acceptez-vous? Dois-je considérer ceci comme un oui? Oui. Merci, René. La réponse est positive. Merci beaucoup. Néné, pardonnez-moi d'insister. Ceci lui tient énormément à cœur. Je pense que vous le savez. Je reviens sur la toute première question que je vous ai posée au sujet de votre fille. S'il vous plaît, Néné, lui pardonnez-vous? Je vais vous poser, et je pense que ce sera la dernière question. Il y a quelque chose qui tient aussi énormément à cœur. Elle m'a chargé tout à l'heure de vous demander, nous nous sommes mis d'accord pour que ce soit l'un ou l'une d'entre nous. Une dernière petite chose que elle m'a demandé tout à l'heure. Elle m'a dit, demande à mon papa s'il veut bien veiller sur mon fils. Je lui ai promis, je respecte ma promesse, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez également, Néné, s'il vous plaît, veiller sur votre petit-fils? Vous voulez bien?
Vous voulez bien veiller sur votre petit-fils, s'il vous plaît, Néné ? Je n'ai pas eu de réponse de votre part à cette dernière question. Vous avez besoin d'énergie ? Dites-moi. Voulez-vous que je vous remette un petit fond de musique ? Voulez-vous que je vous remette un petit peu d'Edith Piaf ? Oui, bien sûr. Je me doutais bien. Néné, nous allons mettre un terme, si vous le voulez. Si vous le voulez, si nous allons mettre un terme à cette communication, à moins que vous aimeriez que cela continue, ou quelqu'un dites-le-moi, on va vous laisser cette petite musique. On va commencer paisiblement à ranger notre matériel. Si à un moment ou à un autre, vous avez envie de reprendre ce contact avec nous, n'hésitez pas à nous faire comprendre, à nous faire savoir clairement. Nous sommes encore là, nous allons d'ailleurs dormir ici, nous allons dormir dans ces lieux et prendre congé. Si vous nous permettez, bien évidemment, cela se fait bien évidemment aussi. Nous avons été invités, pardonnez-moi, je bafouille, je suis très, très sincèrement, très sérieusement ému, je suis très ému. Nous avons été invités par elle à rester sur le lieu pour cette nuit. Nous espérons que vous nous permettez. Nous serons là, bien évidemment, toujours respectueusement, mais ça, je pense que vous le savez aussi. Oui, merci, Néné. Merci beaucoup. Nous serons dignes de votre confiance, rassurez-vous. Néné, je vais souhaiter du fond du cœur au plus profond de moi-même et je pense que nous allons formuler un tour de rôle. Je pense que ce serait sympa. Personnellement, je vais souhaiter paix à votre âme du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur dans cet autre monde. Je souhaite et je prie. Allez, je vais le dire, je vais l'assumer. Je prie pour que vous soyez bien. Pour que vous soyez toujours bien. Je suis persuadé que vous êtes quelqu'un de bien de toute façon. Christelle vous a décrit. Je pense qu'effectivement nous nous serions bien entendus. Paix à votre âme. Et je vous remercie personnellement du fond du cœur. De ce très très grand moment que nous venons de passer avec vous. À toi. Vas-y. Sache que je t'ai jamais oublié. Je t'en verrai jamais. Je t'aime très fort. Tu me manques. Et j'espère que
soyez en paix. Votre petite fille pense très fort à vous. Votre fille. Pareil pour moi, un grand merci pour cet accueil, un grand merci pour vos réponses, et pareil, paix à votre âme, et merci encore. J'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà ce que j'ai ressenti. Je crois que j'ai oublié non plus, monsieur. Reposez en paix, Néné. Ciao. Voilà les amis, une enquête qui prend fin, une enquête avec beaucoup, beaucoup de résultats, on pense. Maintenant on va aller faire dodo, parce qu'il est maintenant 4 heures. Et puis on vous dit tous à bientôt. Bah tout à l'heure. Et à tout à l'heure au réveil. À tout à l'heure. Alors, on fera un coucou tout à l'heure. Au réveil, en espérant bien dormir, après de telles émotions, ciao. Il n'y a rien, il n'y a pas d'accès, il n'y a rien. Non, moi toujours. Bon, celle-là, elle tourne. On va aller en loop. Je vais quand même le couper pour le recalibrer. Ok, je coupe pas. Vous voulez que ça vient de bouger dans l'écran. Je coupe.
plus, redémarrer. Vous êtes encore là, Néné. Vous êtes encore là et vous vous manifestez, n'est-ce pas? Dites-moi. Hein, vous êtes encore là? Ben oui, je sais bien. Tu veux pas nous laisser dormir, Néné, c'est ça, hein? Hein, c'est ça, dis-moi. Ouais. Ah, ou alors... Bah là parce qu'il a des... Non, sinon il a des vrais. Voilà. C'est ça que tu voulais? Attends, mais du coup ils ont peut-être pas tort. Mets sur pause. Quoi? Mets sur pause, voilà. De la musique? Tu m'as compris? Ouais, mais moi, c'était, à mon avis, c'était pour voir si c'est le fait d'être sur pause qui devait déclencher le pause. Justement, il n'y a aucune interférence. Il devrait, il pourrait éventuellement, mais encore je ne pense pas qu'il y avait d'agissement dessus. Là, il claquait tout à l'heure alors qu'il était sur pause. Mais c'est quand même des coupons qui sont juste en bas. Parce que ma gueule, je sais que ça fait. Ah. Il fait de la musique. Il fait de la musique. Ah oui, c'est ça, j'ai compris. On va faire dodo. Bonne nuit. À tout à l'heure. Bonne nuit les amis.
La team dormira réellement sur place. Faisant le choix de disposer un plan fixe dans le séjour et sur le palier du premier étage, non pas dans la chambre où ils dormiront, pour préserver un minimum d'intimité. Le plan fixe du premier révélera beaucoup de petits bruits que nous ne diffuserons pas du fait de notre présence à côté et donc du manque de crédibilité. Vous avez remarqué l'absence de facecam. Celle-ci nous a effectivement lâchés. La team a envie de partager avec vous l'une de ses sensations, ce doux et très agréable parfum de vanille qui les effleurerait régulièrement. Le sentez-vous aussi ? Bon bah, hey, ça tombe pile poil, il reste à peine 20 minutes de film. Putain. Il reste 19 minutes et 38 secondes. Alors, vous lui faire exprendre, il serait parti. Tu m'étonnes. Bon, voilà les amis. Il est quelle heure, là ? 10h05. Il est 10h50. On vient de se réveiller. Il n'y a plus qu'à analyser. Ciao.